du balnéaire au culturel, en passant par l'écotourisme ou le religieux, la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités touristiques. Il vous faut absolument découvrir. Je vous souhaite la bienvenue dans Découverte de Cannes, ou encore, devrais-je dire, Aquaba. Pour ce numéro spécial de Découverte de Cannes, je vous emmène dans la sublime région du Béké. La région du Béké est située au centre de la Côte d'Ivoire, à 330 km d'Abidjan, avec une population estimée à environ 1 million d'habitants. Elle est limitée au nord par la région du Hambol, au sud par la région du Bélier, à l'est par la région de l'Ifou, à l'ouest par les régions du Béré et de la Maraoué. La région du Béké était essentiellement peuplée d'autochtones baoulés. Avec les différentes migrations, elle est devenue une zone à forte immigration étrangère, issue des pays voisins comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Sénégal. Bouaké, principalement ville hôte de la Cannes 2023, a bénéficié d'une immigration extranationale et d'une assez forte immigration régionale des peuples Dioula, Atié, Bété, etc. La langue traditionnelle de la ville était le baoulé. Toutefois, la langue véhiculaire parlée et comprise par la majeure partie de la population commerçante de Bouaké est le Dioula. Les potentialités économiques de la région du Béké sont diverses et touchent plusieurs secteurs d'activité socio-économique. L'activité principale de la région est l'agriculture vivrière, encore très marquée par une production de subsistance. Les produits dominants sont l'igname, le riz, le maïs, l'arachide, le manioc, les légumes et l'anacarde. La région regorge également de potentialités touristiques énormes. On pourrait citer entre autres la cour royale dans le quartier Walebo à Sakassou, les poteries de Wassou dans la sous-préfecture de Dibiri à Sikro et Tanou Sakassou, le Golioka, les fortifications de Samori Touré à Maraba Diassa. Il existe plusieurs valeurs culturelles dans cette région, comme la danse Adjanou, qui est une exclusivité du peuple baoulé, mais aussi le Djela, le Goli, danse sacrée et de réjouissance empruntée au peuple Gouro et au Wan. L'artisanat occupe aussi une place primordiale de la vie sociale, par la variété de sa production et la destination de celle-ci. Comme production artisanale, on a les paniers, les éventails, les canaries, le tissage, des filets de chasse et de pêche, et bien d'autres. Il existe aussi les masques et les statuettes qui suscitent la curiosité des visiteurs. Et voilà, avec un sourire et des accolades chaleureuses, la belle région du Béké vous dit Aquaba. À demain pour un autre numéro de Découverte de Cannes.